C'est la rentrée de Shoptime. Bienvenue. Alors ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu, vous m'avez manqué. J'ai lancé l'impression, mais de quoi ? Il y a eu une mise à jour de Simplify 3D, un super logiciel pour manager ses impressions 3D, et j'ai lancé une petite impression test pour voir ce que je pouvais faire avec. La première couche tient bien. Dans Shoptime, j'ai l'habitude de faire des objets soit utilitaires, des choses plutôt pratiques avec l'imprimante 3D, mais cette fois-ci, je vais essayer juste quelque chose de visuel. Moi j'ai repris mon programme d'impression et je vais vous montrer ce que ça va donner une fois qu'on va lancer l'impression. Et voilà, on voit ici le modèle, toutes les étapes, couche par couche de l'impression. Donc il commence par ce raft, c'est cette surface plane de 0,4 mm. Et il continue. Moi j'ai mis une assez haute densité pour que justement tout tienne bien en place pour tous ces petits détails et cette pente assez douce qu'elle ne soit pas dans le vide en fait. Et là, pendant que je vous parle, c'est en train d'imprimer, j'en suis à une heure et quelques d'impression. Voilà, allons voir ce que donne l'impression et après je vous reparle un petit peu plus. C'est parti, je vais décoller ça. Alors, spatule. Ouf, ça colle bien. Oh, c'est satisfaisant. Et voilà, voilà la bête. Nous voilà dans Simplify 3D. Je vais vous faire le plus court tuto du monde. Vous allez dans module complémentaire. Donc c'est sur la version 4 de Simplify 3D. Convertir en image 3D. Là, vous sélectionnez votre image. Moi, j'ai pris une image en noir et blanc qui est plein de typhons superposés, toute une année de typhons superposés. Le noir sera haut et le blanc sera blanc, c'est-à-dire rien. Là, il y a quelques paramètres qu'on peut modifier pour modifier son objet. Là, c'est un carré, du coup, il me propose largeur désirée 100 mm. Bon, je vais laisser 100 mm. Donc l'objet fera 10 cm de large et de longueur aussi. Et la profondeur, c'est-à-dire à quelle hauteur maximum il va étirer ce qu'on veut imprimer, et bien là c'est 2 cm, donc 20 mm. Et les zones blanches vont aussi, de votre image, vont aussi être imprimées. Ça sera une couche de plastique de base. Et cette plateforme, on peut en définir la hauteur. Là c'est 0,4 mm. Et je vais faire créer. Là il me crée un fichier. Il me dit enregistrer votre STL, donc c'est parti, on va mettre version 3, boum. Est-ce que vous voulez importer? Oui, parce que je veux l'imprimer. Et là on voit, mon image en noir et blanc s'est transformée en volume en 3D. Voilà l'impression qui ressemble à un espèce de, je sais pas, un espèce de blob torsadé étrange. Plein de reliefs partout. Quelques grammes, une vingtaine de grammes de plastique. Une couche du dessous qui est très clean. Hein. Bon, il y a plein de saletés, d'impuretés du fil précédent, mais sinon c'est très lisse et brillant. Donc je suis plutôt pas mal sur mes réglages. Ensuite, là au début j'ai eu des petits soucis de remplissage, mais ça c'est pas très grave. Je suis vraiment content de cette impression 3D. C'était un bon test de cette nouvelle fonction de Simplify 3D.
Je vous invite à laisser des commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit juste en dessous, à liker, à partager, à vous abonner et aussi à regarder mon compte Tipeee que je viens d'ouvrir et de checker les contreparties qu'il y a là-dessus. Et à très bientôt dans...